prends à gauche ou à droite pour sortir? Bonne question là. Oui, bonjour. Et il m'énervait. Hein. Et pourquoi à chaque fois j'ai pas le droit aux munitions max? Alors celui-là, il est passé et on l'a dit bonjour. On va m'expliquer pourquoi ils font des trous, hein. Bon, on continue. Et bonjour. Intéressant. Les conditions météo semblent naturelles et pas artificielles. Les systèmes environnementaux de l'anneau sont-ils défaillants? Ou ces concepteurs l'ont-ils délibérément installé sous ce climat? Ici, Kim Sulu, demandons l'aide immédiate des forces du CSNU. Quelqu'un me reçoit? Terminé! Je croyais qu'il n'y avait plus de forces humaines dans cette partie de l'anneau. Cortana à Équipe Zulu, je vous reçois. Équipe Zulu, ici Cortana. Maintenez votre position. On arrive. Bien reçu. Dépêchez-vous. Eh ben, je vais faire ce que je peux, ok? Ah, il y a un ascenseur. Regardez. Eh ben justement, regardez si vous voulez, mais moi j'ai pas le temps, hein. Moi, je suis attendu, j'ai rendez-vous. Je suis pas là pour éliminer du Covenant à tour de bras, même si c'est marrant. Je suis là pour aller sauver une équipe. Bonjour messieurs, j'aimerais que vous m'indiquiez la sortie. J'ai des collègues qui m'attendent, voyez-vous, je dois aller. Ouf, j'ai cru que le jeu avait encore planté. Là, j'aurais crié et j'aurais fait « Ah non, 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 c'est pas possible !» C'est par où la sortie à la fin? Non mais j'ai besoin d'une carte là, c'est... À un moment donné il va falloir arrêter là. Hey,
Non, là, je reviens en arrière. Mais carte, objectif, j'avais oublié qu'à une époque, il y avait des joueurs qui disaient « Oh, mais on n'a pas besoin de carte, hein, on va tirer comme des gros gogoles. » Elle est où la sortie de ce bâtiment? Donnez-moi une carte. Cortana, fais ton boulot, s'il te plaît. On est d'accord que je tourne en rond, là, hein? Bien d'accord. Là, il y a une salle centrale. Bon, je veux bien m'amuser dans la salle centrale. Mais qu'est-ce que je fais après dans la salle centrale? Ok, Jean-Pierre. Tu vas arrêter maintenant les conneries, hein? Et tu vas m'indiquer la sortie! Parce que si c'est pas le cas, moi ce que je vais faire, je cherche une solution sur internet. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas m'embêter moi non plus, hein? Je suis pas là pour jouer les « je suis un con de joueur de la Xbox première génération à la con, on était tous des débiles, on aimait que tirer sur des trucs. » Merci! Une vraie carte, c'est ça qu'il me faudrait. Une vraie carte. Avec un vrai indicateur et tout ce qui va. Ça nous one shot ces trucs maintenant? Ah vrai. Mais qui a donné son brevet de pilotage à celui-là? Bon, ça c'est, j'ai compris, hein, le jeu veut nous faire le coup du « Oh, pilote le World, pour réussir à faire le mignon !» Parce qu'évidemment, il n'y en a aucun qui va piloter ce truc, hein. Non, c'est sûr bien, sûr que non, il n'y en a aucun qui se dit « Tiens, on pourrait piloter nous-mêmes !» Demander un surplus d'informations. Ça va chauffer.
pneus. J'aime pas beaucoup cette mission. Oh, j'en ai rien à faire, qu'il y ait des survivants ou quoi. Doucement maintenant! Ils ont tout tenté, mais c'était sans compter sur l'intervention des meilleurs marines de l'armée. Oh non, non! Fichons le camp d'ici! Que quelqu'un appelle le vaisseau de largage! Reprenez-vous immédiatement, soldats! N'oubliez pas que vous êtes un Marine! Nous avons une mission à accomplir! Négatif. Évacuation impossible pour le moment. Mais le chef et moi avons besoin d'aide. La poisse! C'est blindé! Attention à ces chars! Préparez-vous à intervenir! Les Covenants ont posté leurs chars pour défendre l'entrée du tunnel. Finalement, ce blindé n'était pas si résistant. On va tous les liquider. Ok, que quelqu'un m'explique. Je vis ça et lui, il se prend. Bonjour, les marins, allez hop. Bon, là, j'ai éliminé tout le monde, hein, donc... Vous le sentez, hein, que le Valmar est un peu énervé, là. Il aime pas ces jeux-là, comme ça, qui sont en train de le tuer en boucle. Encore et encore... Bon, là, j'ai pratiquement éliminé tout le monde, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, hein? Non, parce que... Qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce que là, on fait juste une jolie balade, on est en train de tourner en rond, là, les gars. On est vachement aidés. Qu'est-ce qui m'énerve? Ouvre la porte! Hé,
Alors moi, avec ce genre d'engin, ah, je suis dans mon élément. À condition qu'il vise bien. Encore des Covenants. Vous savez les gars, il y a un drôle de concept qui s'appelle aider le pilote. Ce concept, aussi étrange que probable, a pour but d'aider le pilote du char d'assaut. Vous allez voir. Et donc, votre but, en ce moment, serait de m'aider. Puisque, voyez-vous, je veux bien jouer les conducteurs, mais vous, vous pouvez tirer dans tous les sens, là. Hein, vous avez tous une arme, vous pouvez tous viser à droite, à gauche, etc. Donc, vous voyez l'idée, là. Ce serait qu'on arrête de faire le débile. Vous faites ce que vous êtes censé faire. Sérieusement, ce jeu m'énerve. Jouer de quoi? C'est moi qui conduis. Arrête de dire n'importe quoi à un moment donné, Gérard. Laissez-moi un peu. Vous en voulez encore? On leur en a fait voir. Bien comme ça. C'est peinard, c'est tranquille. Ça. Alors ok, j'ai éliminé tout le monde, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, j'en ai encore gardé un peu pour toi. Ouais. C'est le Covenant le plus résistant que j'ai jamais vu de ma vie. Hey, c'était le mien. Y a pas ton nom écrit dessus, l'ami. Partez. Je suis. Oh, sérieux? Oh, je suis pas mort. Oh, je suis pas mort. Bon. Bah, on s'est bien amusé et tout, mais... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? C'est quoi la suite du programme? Parce que... Moi, je connais pas, hein. Par là c'est le vide aussi.
Là, il n'y a rien. Peut-être par là. Ah non, ça ne peut pas être là, puisqu'on a ouvert justement la porte et on a dégagé tout le monde. Indication sur 20, hein, ce jeu. Hein, c'est... Un indicateur. Vous savez, c'est... Les joueurs, ils aiment bien les indicateurs. Pour savoir où aller. Parce que moi, je vais pas m'amuser à faire le tour de la baraque pendant 3000 ans, quand même, à un moment donné. Hein. Fatigué. Ça va chauffer! Et l'un des autres est mort durant le processus. Eh ben d'accord, parfait. Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Je croyais que les coffres... Je croyais que les Covenants avaient éliminé tous les Marines de cette zone. Même en même temps, mais s'ils sont là tout petits et tout, comment je suis censé aider? Oui. Ce jeu sur 20. Alors moi j'arrête. Hein. Si vous voulez conduire ce véhicule, allez-y. Hein. Moi, j'abandonne. Hein. À un moment donné, moi je suis payé pour terminer ce jeu, pas pour réussir à... Hein. Là, c'était plus sympa, le jeu était mieux fait.
faut monter sur cette crête. Maintenez tous vos positions. On va s'occuper de ces canons. Adjudant, il faut escalader cette crête et se placer sous ces canons fixes. Bien sûr. On reste là et on couvre l'adjudant. Valmar, du café. Oh non, pas encore ça. Non, pas encore le coup du truc avec des portes. Vous savez quoi? Pause manger. J'ai faim, il faut que j'y aille. Hein. C'est bon, à un moment donné. Ah, mal à la main. Vous savez quoi finalement, les Valjean? Je vais m'arrêter là. Moi, à un moment donné. Fatigue, hein. Oui, sauvegarder, je reprendrai une autre fois, voilà, tout ça, etc. Voilà, je reprendrai peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jamais même, sinon jamais, enfin bref. Allez hop, on se reverra pour la prochaine fois pour la suite de la mission. Normalement, vous, ça va se faire en un quart de seconde, puisque comme c'est la même mission, je vais coller les deux passages, mais voilà, vous avez compris quoi. Allez hop. Bon allez, ça va être mieux qu'hier, hein. Hier, on avait un petit coup de mood, etc. Allez, hop, on reprend. Je sais pas si ça va aller. Tout va bien aller. Almar, tu contrôles la situation. D'utiliser des munitions pour eux. Je te hais. Bah moi aussi je te hais, si tu veux tout savoir, petit machin. Yeah.
Eh bien, il y aura eu un survivant au massacre. Bonjour, ici. On va mourir. Exact, vous allez mourir. C'est bien, c'est bon. Bah écoute, moi aussi je te tire dessus. Je savais pas qu'il y avait un concours, hein, qu'il fallait qu'on tire absolument l'un contre l'autre et tout. J'avais pas prévenu. Quand tu décides de taper, parce que sinon ça alerte tout le monde. Toi tu m'intéresses. Et il n'y avait rien. Bon. Pire. Pourquoi il est pas ça.
dit, pas la peine d'utiliser les munitions. Enfin, ceux qui se cachent derrière des petits outils, on les tue avec une crosse et ça suffit largement. Bon, on va finir cette map, oui ou non? Elle est longue quand même. On a bien fait de récupérer ce truc sur le cadavre de ce pauvre soldat qu'on avait trouvé. Encore un cadavre de soldat. Parfait. Allez! Oh, ils ont des armes pourries. Hein. Analyse. Ça doit être la salle de contrôle. L'entrée du centre de contrôle est au sommet de cette structure pyramidale. Emmenez-moi là-haut et je nous ferai entrer. Pendant ce temps, il y a Jean-Pierre qui s'amuse à tirer... on ne sait où. Bon, ben voilà. Cortana, je suis un peu bloqué, là.
veux bien t'emmener tout là-haut, tout ça, etc. si tu veux, mais le problème c'est que les portes sont fermées. Il n'y a pas l'air d'avoir tellement de moyens de... tu vois, de pouvoir aller là où tu me demandes. Il m'énervait. Mais on descend là! Je croyais qu'il fallait qu'on monte. Pas de ce que j'en dis. T'as compris comment ça fonctionne. L'entrée du centre de contrôle est au sommet de la pyramide. Allons-y. Emparons-nous d'un de ces ghosts. Sa puissance de feu nous sera très utile. Problème ghost réglé. Je déteste les couloirs. Pourquoi? Bah parce que c'est des conneries. L'entrée du centre de contrôle est au sommet de la pyramide. Allons-y. Emparons-nous d'un de ces ghosts. Sa puissance de feu nous sera très utile. Oui, dommage, on ne peut pas. Voilà, allez, tuez-moi. Tue-moi. Vas-y, fonce-moi dessus. Ouh.
Voilà. Suicide, c'est parfait, c'est bien. Mon état de santé est parfait. L'entrée du centre de contrôle est au sommet de la pyramide. Allons-y. Emparons-nous d'un de ces gaufres. Sa puissance de feu ne sera très utile. De faire le truc en montant en haut avec l'engin volant parce que sinon ça active pas les trucs et... C'est un cadeau de la maison. Je comprends toujours pas pourquoi à une époque il fallait que les FPS soient durs, fallait qu'ils soient compliqués, fallait absolument qu'ils fassent ça, ceci, cela. Surtout, je vois pas pourquoi il fallait qu'il y ait pas d'indicateur, qu'il n'y ait pas de truc, qu'il n'y ait pas de ça, de ci, de là. Non, juste à moins pour dire ouais, on est des gros bonhommes, mais en fait, on n'a rien du tout, c'est juste qu'on joue derrière un jeu vidéo. Voilà, à un moment donné, il va falloir arrêter avec ce genre de délire. Bon, je suis arrivé tout en haut, Cortana, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il faut que je monte encore. Voilà, vous voyez, on aurait pu directement aller à la pyramide et avancer sans problème, mais non. Le jeu a dit, non, j'ai prévu cette route, tu fais cette route pour que les ennemis apparaissent et pour qu'ensuite, bah, tu puisses réussir à passer. J'en vois un. Et moi aussi, j'en vois un. Attrapez-le. C'était quoi? Thank you.
forces des Covenants alentour éliminées. Rejoignons le centre de contrôle d'Halo. Ça y est, le centre de contrôle d'Halo. Bon bah c'est très grand, hein, c'est sûr, c'est l'architecte avait envie de mettre beaucoup de place. Ah. Je sais pas combien il fallait pour contrôler ce machin, mais je suppose qu'un seul ça suffit pas, hein. Donc Cortana, on va attendre les autres, histoire de réussir à comprendre bien ce machin, parce que t'as beau être une intelligence artificielle tout de même. Même toi toute seule, je ne pense pas que tu... Enfin, je ne sais pas moi, mais après... C'est un truc très très grand quoi, tu vois, donc je me dis qu'il y a, normalement, il devrait y avoir une équipe technique, une équipe médicale, essayez une équipe ce de terminal. Sécurité. Bon d'accord, ok. Tout va bien? Parfaitement bien. Vous n'imaginez pas la quantité d'informations. Le savoir, si riche, si rapide, magnifique. Et cette arme, de quoi s'agit-il? De quoi parlez-vous? Restons concentrés. Allô, comment l'utiliser contre les Covenants? Cet anneau n'est pas un gadget, espèce de barbare. C'est autre chose, quelque chose de bien plus important. Les Covenants avaient raison. Cet anneau, c'est un Forerunner. Donnez-moi une seconde. Oui, le Forerunner a construit cet endroit qui a été baptisé Monde Forteresse pour... Attendez... Non, c'est impossible. Oh, c'est Foot Covenants. Il devait le savoir. Il y a sûrement eu des signes. Doucement, je ne vous suis pas. Les Covenants ont trouvé quelque chose dans cet anneau, quelque chose d'horrible. Et maintenant, ils ont peur. Un truc enterré? Où ça? Le capitaine, nous devons arrêter le capitaine! Keys? Qu'est-ce que... La cage d'armes qu'ils cherchent n'est pas vraiment... Il faut l'empêcher d'y entrer! Je ne comprends pas... Le temps presse! Sortez d'ici! Trouvez Keys! Arrêtez-le! Avant qu'il ne soit trop tard! Ben, on t'emmène pas avec nous? Bon, d'accord.